Je suis Davy Jobard, chef du restaurant Leni à Flyosque. Notre philosophie, le goût d'ici aux saveurs d'ailleurs. Alors on travaille avec mon épouse, tous les deux, depuis l'ouverture, ça fait 5 ans maintenant. Alors on a un vrai duo complémentaire et un peu notre force aussi, grâce à Émilie en salle justement, c'est qu'elle connaît parfaitement les produits qu'on travaille. Les gens, dès qu'ils ont une question par rapport à une recette, voilà, elle va aller directement en profondeur, parler de nos producteurs. Il y a une vraie mise en avant, une vraie démarche qui est faite autour de ça. Risotto de maigre de Méditerranée, ravioles vertes de petits pois, mousseron des prés et chlorophylle d'ail des ours. Le grand plaisir, c'est quand il y a des clients qui reviennent chez nous et qui nous disent « la dernière fois, quand on est sorti de chez vous, on a été voir votre producteur pour acheter directement les produits. » Alors ce matin, on a fait une entrée pleine de fraîcheur autour de la brousse et du chèvre qui vient directement d'Ampus. On l'a travaillé avec un condiment pêche safran et les courgettes de pays à l'huile d'olive. Donc on est vraiment dans une entrée de fraîcheur, de saison, qui va avoir du croquant et du peps en même temps. On a une cuisine qui est essentiellement basée sur les produits du terroir. Et on a un terroir surtout qui est très riche en Provence et encore plus en Dracine. On a une cuisine, une philosophie dans le restaurant qui est vraiment tournée autour de la saison. On change notre carte tous les mois, justement pour être vraiment sur les produits phares du moment. Notre carte, en fin de compte, elle est faite en fonction de nos producteurs. C'est un peu eux qui nous dictent les cartes qui vont arriver, qui vont suivre. Et on se fie vraiment à leurs produits. Alors on a un dessert qui nous tient à cœur. C'est justement, on a trouvé un très, très bon producteur, un apiculteur en plus. Donc on a fait un dessert autour du miel. Et le challenge un peu au niveau de dessert autour du miel, c'est d'avoir un dessert peu sucré, très parfumé. Donc on l'a travaillé avec une crème citron et une infusion à base de thym. Et on a des petits sorbets, des croquants, on rappelle un peu l'abeille avec une tuile originale. Et on est quelque chose sur très parfumé et surtout très peu sucré. Déjà une très bonne impression générale, j'ai trouvé ça absolument délicieux. C'est très esthétique, c'est très fin. On sent que c'est fait avec des bons produits. En plus, c'est des produits d'ici, donc tout à l'honneur du chef. Merci. Ce repas était le soleil de notre journée.